très bien parti dans cette Coupe du Monde. Après, il faut continuer de se lancer. On travaille bien, il y a un très bon état d'esprit dans le groupe. Donc on prend du plaisir à vivre au quotidien, avec ce groupe. Après, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer, mais voilà, je me tiens prêt et c'est vraiment un plaisir de faire partie de ce groupe. On donne tout, on met dans les meilleures dispositions les autres joueurs. Voilà, on est tous des compétiteurs, on veut tous jouer. On va pas se le cacher, mais aujourd'hui on est dans un objectif commun et tous les 23 joueurs, on est là pour tirer les uns et les autres vers le haut. Aujourd'hui je suis très content, je prends du plaisir, j'essaie d'emmagasiner le max d'expérience possible et d'être prêt quand on fait appel à moi. Ouais, c'est être au service d'eux, comme je l'ai dit avant, c'est de mettre dans les meilleures dispositions, de faire des entraînements de qualité pour leur permettre d'avoir... De garder un bon niveau, et après c'est à nous de les encourager, d'être sur le terrain, de montrer un bon état d'esprit. Et après, comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison de faire la gueule ou quoi que ce soit, parce qu'on est tous là pour le même objectif et on est tous là pour le même maillot, pour la même nation. Donc voilà, on se bat tous ensemble. Ouais, tout ce qui se passe c'est positif pour l'instant. Bien sûr, tout ce qui se passe c'est positif. Après comme on l'a dit, il faut toujours avoir la même mentalité qu'on a eue lors de ces deux derniers matchs. La rage de vaincre, parce que si on baisse un petit peu, on sait que c'est du haut niveau et qu'on peut le payer cash. Donc on a un troisième match à bien gérer pour finir premier du groupe. Et après, comme tout le monde le sait, c'est élimination directe. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Et c'est là où vraiment il faudra être costaud.